Amis du jour, du soir, le bonjour, bienvenue sur cette 16e VOD. Eh oui, 16e VOD de Céleste. Nous avons terminé le chapitre 9. Ça aurait été long, ça aurait été compliqué, mais qu'est-ce que c'était bon. Un peu plus de 4000 morts, hein. Ouais, un peu plus de 4000 morts pour le chapitre 9, hein, voilà. On n'a pas fait semblant, mais bref. On enchaîne donc avec les faces C. Et de ce que j'ai compris, ça va être un peu moins compliqué vu qu'on a fait le chapitre 9. Donc installez-vous confortablement et profitez. C'est pas bon, mais tu te fais plaisir. Bah, c'est l'essentiel. Allez-vous, face C, putain. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça commence direct, genre... Oula ! Comment j'ai fait ça, moi ? Oh oh. 100 morts pour le 1C. Ah ouais. Et d'une ! Ouais, non mais... Ah oui, mais non. Attends, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Oh putain. Pixel perfect, ah grave. Ouf, oh c'est tricky hein. Non mais qu'est-ce que j'ai... Utilise pas ton dash. Ouh, ça va être compliqué. Ah c'est du timing, c'est juste du timing. Putain. Ça va être long. Ça va être... Ah ouais non mais attends. En même temps je viens de finir le chapitre 9 donc faut... C'est la découverte. C'est la découverte du truc. T'es sûr que t'es batteur? Ah bah ça fait un moment hein, que je fais plus de la batterie. Je suis jamais allé très très vite à la batterie moi. Je suis jamais allé hyper vite à la batterie. Proto. Allez. Hop. Putain. Merde. Et alors en plus la face C du coup c'est comme chapitre 9 hein. C'est à dire que tu... C'est ça, tu commences. C'est pas genre tu commences dès le début. Il faut tout faire d'une traite. Y a pas un seul tableau ou un truc comme ça où il faut tout faire d'un coup. Il y a quand même des checkpoints. Il n'y a que 3 tableaux. D'accord. Mais il faut les faire d'une traite, non? Le dernier est bien plus long. D'accord. Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Merde. Pas de checkpoint. Ok, ça marche. C'est la seule info dont j'avais besoin. Hop. Merde. Ah, la magie des pics. Ah. Pourquoi j'ai dashé comme un con? Hop. Ah putain, ça va vite ici, hein. Ça va vachement vite le dernier. Mais 22 secondes pour la 1C. Oui, d'accord, mais ça fait combien de temps que tu la joues, la 1C aussi? Moi, je la découvre. Donc, forcément. On a tous des jeux comme ça où on va vite. Là, genre moi par exemple Monkey Island, le premier Monkey Island, je te le fais en 2-3 heures quoi. Je
te le fais en quelques heures parce que je le connais par cœur. Mais parce que ça fait 30 ans que j'y joue à ce jeu, tu vois. Oh non. Je m'inquiète pas. Ça, c'est Vanquish sur PS3. Une heure pour le finir. Pour une durée de vie d'une heure et demie. Merci les 60€. Ouais, alors après... ça, Aurel, c'est pas... Tu vois... C'est pas parce qu'un jeu coûte 60 boules qu'il doit forcément durer 72 heures, quoi. Un bon jeu qui maîtrise son gameplay et sa narration, qui dure une heure et demie, c'est toujours mieux qu'un mauvais en open world qui s'étire inutilement et qui a rien à raconter et qui te fait un gameplay à la Ubisoft, quoi. Tu vois ? J'arrive pas à la passer la dernière. Sur la replay via look, tu chiales un peu. Ah bah ça c'est sûr. Et donc il y a des jeux niveau replay via look, value, tu vois, bah, tu t'assois dessus quoi. C'est bon. Genre par exemple Outer Wilds. Outer Wilds, une fois que t'as fini le jeu, bon si tu peux toujours le recommencer pour essayer d'aller plus vite et de faire tout en une seule run, mais t'as plus la découverte et tu sais plus... Enfin voilà, tu sais ce que le jeu a proposé, donc il n'y a plus de truc de ouf. Alors... Oh... Au mieux un bon jeu couloir qu'un open world vide ou pas assez immersif. Exactement, Aldorn. Bah, c'est pour ça, par exemple, tu vois, genre, je sais plus, quand j'ai fait Plague Tale. Plague Tale, je me suis régalé dessus parce que... Bah ouais, c'est un jeu couloir, mais au moins il maîtrisait son histoire. Du début à la fin, il s'éparpillait pas. Et du coup, ça montait en intensité jusqu'à la fin, et c'était très cool. Et en plus, comme le jeu était un jeu couloir, et bah niveau graphisme, mine de rien, c'est beaucoup plus fin. Parce que les ressources sont consacrées à l'environnement dans lequel tu es. Le jeu a pas besoin de charger la map entière que tu peux explorer parce qu'il n'y en a pas. Donc tu peux te permettre des graphismes plus sympas parce que bah voilà quoi. Jeu couloir qui déchire Max Payne. J'ai jamais joué à Max Payne. Donc là je sens qu'il va y avoir besoin de Wave Dash. Oh la vache! Et de Wall Jump. Ah putain, il va falloir que je refasse l'autre à chaque fois là, c'est relou. Il va falloir que je refasse celui-là. Voilà. Évidemment. Ah non. Ah ok, alors ok, on s'était mal compris. Moi je pensais que si je mourais, je devais refaire tout depuis le début ici. Non. Donc il y a quand même des checkpoints. Il y a quand même des checkpoints. Ok, tu refais... Oh. Ça va alors. Je pensais que tu recommençais toute la phase C depuis le début si tu mourais, moi. Donc non, ça va, c'est cool. Hop. Oui, non mais je pensais, c'était ça ma question en fait à la base, c'était est-ce que je dois recommencer toute la phase C depuis le début, mais non. Ok. Avec la golden, ouais c'est ça, c'est avec la golden, mais la golden je les ferai jamais, c'est mort. C'est mort, ça, là pour le coup la golden ça m'intéresse pas du tout.
Eh bah putain. Bon. On va voir de toute façon. On va y aller. Alors c'est mieux si tu t'accroches dessus après, mon copain. Merde. Golden, les fa... Ouais, mais même... Non, 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 les... C'est... Franchement, c'est... De... Ce que je disais, j'ai regardé les Golden chez Yumeko et c'est pas un truc qui m'intéresse. J'aime pas le... Je suis pas fan de tryhard à ce point-là. Merde, putain, accroche-toi. Donc voilà, non, non, les... Les golden, je m'en passerai. Je vais l'effacer et puis après... je considérerai avoir terminé le jeu. Je mettrai même pas 30 minutes par face C après les avoir eu, bien sûr. Oui, mais non. Ça, je te dis vraiment, vraiment les golden... Ça m'intéresse vraiment pas, quoi. J'aurais pas la patience. Faut que j'attende qu'il remonte. Attends. Hop. Merde. Putain, la diagonale. The fucking diagonale. Quand même d'en faire au moins une à DHS. Ah non, mais j'essaierai même pas, je te dis, c'est... Ma décision est prise, elle est irrévocable. Et ça m'intéresse pas. J'ai même pas envie d'essayer, quoi. C'est... Ça passe plus. Suffit. Hop. Voilà. Fucking diagonale. Putain. Arrête de faire de la merde. Hop. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc faut sauter avant. Hop. Non, c'est pas bon. Évidemment, ça passe pas. Évidemment. Oh. Ah mais non, mais les pics quoi. Arrête. C'est dur, hein. Putain, la panique. C'est surtout, c'est que, en fait, tu vois, genre, moi, les golden, tu vois, c'est que, les trucs sont tellement compliqués par moment, ça demande tellement de skill, que, tu vois, genre, moi, je finis par y arriver parce que, bah, j'essaye et tout ça. Mais je fais tellement d'erreurs, tu vois. Je fais tellement d'erreurs à la con. Pour moi, les golden, ça m'énerverait plus qu'autre chose parce que ça demanderait trop de maîtrise que j'aurais jamais. Donc ouais. Merde.
parce que je vais essayer d'avoir toutes les fraises. Non plus, pareil, tu vas avoir les fraises, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir les fraises. Donc les atouts super farewell. Ouais ouais mais bon. Je dis les golden et les fraises, ça me... Ça ne m'intéresse pas. Putain. Ok, faut que je dash, je pense. Les fraises c'est cool, mais quand on a juste envie de voir tous les niveaux, c'est pas plus intéressant que ça. Oui, moi, je te dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ouais, de faire les niveaux, puis c'est tout, quoi. Bah, ça rapporte rien, tu vois. À la limite, il y a sûrement un succès Steam, tu vois. Il y a sans doute un succès Steam sur ce truc-là. Mais moi, je suis pas un chasseur de succès, tu vois, sur les jeux. C'est pas... Merde! C'est pas un truc qui me branche les succès. Je suis pas un chasseur de succès. Même pas sûr. Oh si, je pense qu'il doit y en avoir un quand même. Il doit y en avoir un de succès Steam pour avoir toutes les fraises. Et merde! Je me suis retenu comme un con. Tu joues sur Switch? Ah ah! Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Oula. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Putain, quel connard! Ok. La moon, c'est sûr. Hop. Tac. Hop. Allez. Hop. Tac. Tac. En fait, je sais, c'est parce que je voudrais faire un wall jump. J'imagine qu'il doit y avoir un wall jump à faire. Merde. Hop. 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 Comment je vais... Attends, mais comment je vais le... J'arrive à trouver comment le passer, cet endroit-là. Il y a une astuce. Il y a un truc, c'est obligé. Mais putain, mais dash pas dans les pics, monsieur. Bah c'est quand même pas facile, hein, les faces C. Pour l'instant, ça va. Mais... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Tu m'expliques? J'y étais.
Si, je sais pourquoi, parce que comme d'habitude, dès que j'arrive à passer un truc, je panique et je fais de la merde. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Hop. C'est pas grave. On a fait le chapitre 9, plus rien ne peut m'arrêter. Paye ta fatigue. Tac, ok. Ok, là on est bon. Putain, non, quel con. Photo. Dur, sont les 3C, 7C et 8C. Ouais, ah bah la montagne, j'imagine, oui. La montagne, je vais roter du sang, ça c'est sûr. C'est sûr que je vais roter du sang avec la montagne. Pas le cœur, je veux dire. Déjà la phase B. Déjà la phase B de la montagne, ça a été compliqué. Alors en phase C, j'ose même pas imaginer, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Trop tôt, putain. Beaucoup trop tôt. Mis 3 heures la première fois sur la 7C. Oh putain. Et du coup, c'est quoi ton record maintenant? Putain. Ah. Bordel, 48 secondes. Ah ouais, on est passé de 3 heures à 48 secondes quand même. Ah oui, quand même. Et tu t'entraînes combien d'heures par jour sur le jeu? C'est ouf. Non! Putain, le réflexe. Ah, le réflexe. Allez. Hop. Merde. Je peux pas y jouer, mais 600 heures au total, putain. Oh, 600 heures. Eh ben, GG à toi. Ça, c'est de l'amour pour un jeu. Hop. Trop tôt. 28ème sur speedrun.com pour le 7C. Eh, pas mal. Et c'est quoi le number one? Il l'a fait en combien? Par curiosité. Même le top 3, c'est quoi le top 3? Oh putain, quel con. Première fois que tu t'attardes aux chances autant sur un jeu, il le mérite. Ah mais clair, franchement, moi-même, hein, je pensais pas jouer aussi longtemps au jeu. Hein. Je pensais clairement pas que je m'attacherais au jeu à ce point-là, moi. Merde.
Donc oui, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent avoir envie de le poncer dans tous les sens, quoi. Je comprends tout à fait. Et en plus, tu vois, il y a des mods et tout ça, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Je sais qu'il y a plein de mods de fans qui améliorent et tout ça, le game, enfin pas qui améliorent le gameplay, mais qui prennent vraiment, qui font vraiment la part belle au gameplay, quoi. Scad est un extraterrestre, il fait 38 secondes. Eh bah putain. Un truc que tu te sentais obligé de te faire voir. C'est le TAS pour la 8C. Une fois que tu seras acharné dessus. Ça marche, bah écoute. On ira voir ça. On ira voir ça quand on y sera. Le petit TAS. J'arrive pas à le passer, j'ai vraiment du mal à le passer cet endroit là, c'est chiant. J'arrive pas bien à... Voilà. Voilà. Ouais, Q, ouais, alors je sais pas comment ça se prononce son pseudo, mais oui, j'en ai vu un là, j'en avais retweeté un, c'était la folie. Et ben voilà, première phase C, obtenue. Ça marche, pour Giste, ça marche. Ah. Phase C terminée. Bim. 117 morts. Chapitre 2. Phase C. Merci. Alors juste la prochaine fois, Pongis, demande avant de balancer un lien dans le chat, s'il te plaît. C'est mieux. D'accord. Ah, y a pas un truc. Attends. Ah si, attends. Je crois que... Voilà, c'est ça. Oh merde! Oh putain, elle me suit. Je vais crever parce que j'ai gâché mon truc. Merde. J'ai fait le con. Ah, je suis mort. Oh, attends, comment? Eh! C'est foutu. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Alors. Merde. Là, il y a le saut. Tac, là on saute. Oh putain, oh la vache. Oh la vache. Oh. Quelle heure il est? Ouais, bah, je pense qu'on va... qu'on va essayer de faire la celle-là et après ce sera bien. On va voir.
Surtout au niveau de l'heure en fait, surtout par rapport à l'heure. Merde. Merde. Ouais non mais t'inquiète Pongiste, t'inquiète. C'est franchement tu vois enfin qu'on parle tu me dis que tu fais du speedrun et tout ça, j'ai aucun, moi perso j'ai aucun mal avec le fait que tu dises que tu te filmes et machin et tu nous en parles, il y a pas de souci. Moi le seul truc sur lequel j'ai eu un problème, c'est si on c'est que t'es balancé le lien sans me demander avant. Après que tu nous parles de tes speedruns, au contraire, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vachement intéressant, donc ça c'est pas un souci, tu vois. Surtout que là, tu vois, ça fait un moment qu'on discute du jeu, donc on sait que. Pour moi, une pub dérangeante sur un stream, c'est quelqu'un qui se pointe, tu l'as jamais vu, il a jamais dit bonjour. C'est la première fois qu'il arrive et fait « Hey, coucou, au fait, moi aussi, je suis streamer. Et j'aimerais bien que tu viennes me follow, s'il te plaît. » Ou voilà, ou genre la personne qui se pointe et qui te sort hein, « Au fait, je viens de lancer ma chaîne YouTube, ça te dirait pas de venir me voir ?» Ça, pour moi, ça, c'est de la pub sale. Mais là, ça fait un moment que t'es sur le stream. Et qu'on parle et que je sais que tu fais du speedrun, que t'adores le jeu et tout ça, donc voilà, tu stream pas, d'accord, mais je veux dire, enfin voilà, le fait que tu nous parles de ton speedrun et que tu te filmes et tout ça, enfin ça me dérange absolument pas que tu nous en parles et que tu nous proposes de le voir, tu vois, c'est pas de la pub sale pour moi ça, c'est pas de la pub sale. Qui sort de nulle part. Donc voilà. Le seul souci que j'ai, c'est quand on balance un lien dans mon chat sans me demander l'autorisation avant. Merde. C'est juste ça. Ce jeu est tellement bien fait que tu progresses tout le temps. Oui. Oui, bien sûr. Oh, mais il est incroyable, il est incroyable. Ça marche, pas de souci, Pongiste, t'inquiète. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Voilà, je pense qu'il y a peu de risques que tu balances une saloperie. Mais j'ai déjà eu des forceurs. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des forceurs comme ça, les gens qui veulent absolument poster un truc et qui font chier tout le monde pour absolument le poster, machin. Donc ça peut mettre un peu de travers. Mais t'inquiète. T'inquiète. Hop. Merde. Non. Heureusement qu'elles me suivent pas là les autres hein, parce que putain je te raconte pas sinon je te raconte pas le bordel. La panique, ce serait la panique. Je saurais rien faire. Hop. Merde. Allez. Concentration. Merde, j'ai oublié de sauter. Bien meilleur que toi, la première fois que t'avais fait les faces C. Ah ouais. Mais c'est terrible parce que les gens me disent... Enfin... Je me jette pas des fleurs, hein, mais c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui me dit que... Enfin, moi j'ai l'impression de faire de la merde sur le jeu. Et des fois, la façon dont je joue, là... J'ai l'impression d'être mauvais, c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui me disent genre mais non tu t'en sors vachement bien. C'est curieux. J'ai pas du tout l'impression de... De particulièrement bien jouer quoi. Donc c'est vachement perturbant pour moi en fait. C'est...
Voilà. Arrêtez de dire que je joue bien, ça me perturbe. Hein? Voilà, s'il vous plaît. Le mec, il va demander à son chat de devenir toxique, tu sais, pour que... pour qu'il se sente mieux. Vous avez fait les faces C avant Farewell. Ouais, alors apparemment, ouais, de ce que j'ai compris... de ce que tout le monde m'a dit... les faces C sont plus faciles une fois que t'as fait le chapitre 9. J'ai cru comprendre ça. Merde. Et quel sombre bonbon d'Halloween que personne ne mange. Ah. 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 Aurel. Ah. Trahison. Je croyais que t'étais mon ami. Ah. Quel acteur. Je sais. Acteur studio, hein. Je vais monter mon école bientôt. Trop loin. Donnez un Oscar à cet homme. S'il vous plaît, un César. On est en France. Cocorico, donc un César. Bien sûr. Hein? Merde! Merde, putain. Concentre-toi. Concentrez-vous, monsieur. Monsieur. Merde, le secoueur de lait. Hop. Putain. Ouais, je pense que j'arrêterai après celle-là parce qu'en fait, je sens la fatigue. Ah, merde! Je sens tellement la fatigue, là, c'est ouf. Putain, quel con. Quoi? Oh non. La 3C est une vraie purge? Oui, bah du coup, on s'arrêtera après celle-là. Hop. Oh putain. Quel con. Ok, oui, il faut que je m'accroche. Il faut que je pense à aller sur le côté et à m'accrocher. Ça marche, Denset. Merci d'être passé. Repose-toi bien. Bon week-end. Et à la semaine. Prochaine. Oh putain, ça revient. Oh, ça remonte de loin, ça. Oh, cette référence de Yeuv. Youpi matin, quoi. Youpi matin, 1-1. De bon matin, 1-1. Youpi matin, youpi. J'ai merde. Putain. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Allez, on se concentre un petit peu, là. Concentration. Mais arrête de sauter! Pourquoi tu sautes? Ce réflexe de merde! J'ai un vieux réflexe de sauter à ce moment-là. Alors qu'il n'y a pas besoin. Après, même si je le ferai jamais... Je peux comprendre, enfin je comprends totalement que des gens aient envie de speedrun ce jeu quoi, parce que quand t'arrives à faire tous les enchaînements comme tu veux sans vriller comme moi je le fais, ça doit être tellement satisfaisant.
Tu dois te sentir... Ça doit être tellement cool de réussir à... à passer un truc de manière rapide et fluide. Sans accroc. Ça doit être un truc de ouf. Ça doit être hyper gratifiant. Ça doit être hyper grisant. Merde. Ah ouais, ça doit être ouf. Tu vois là, un passage comme ça là, hyper propre et tout. Ça doit être, ouais, ça doit être quelque chose. Merde. Allez. Hop. Voilà. Oh putain. Ah ouais, alors là maintenant on va pouvoir faire ça. On prend même pas les pièces dans ce chapitre en speedrun. Ah oui, c'est vrai que les pièces elles ouvrent un truc. J'ai même pas fait gaffe. Parce que je les prends, mais j'ai l'impression que ça ouvre que... Ah oui, si, c'est celui-là. Ouais, mais bon, moi je suis pas un speedrunner, donc je les prends les pièces. parce que c'est mieux, voilà. Merde! Ah, ça, je me déteste quand je m'accroche à un truc comme ça. J'ai mal à la tête. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Oh putain, quel... Bon bah voilà, je suis mort. Zut. Mais on est allé un petit peu plus loin. On est toujours dans cette optique de... On a réussi à aller un petit peu plus loin, donc... Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à aller encore un petit peu plus loin à chaque fois. Et voilà, j'ai sauté comme un con. Allez. Merde. Ah. Oh, ces erreurs quoi. Allez. Ok. Hop. Hop. Zou. J'ai sauté trop fort. Zou. Merde. Ah, c'est la porte comment du coup? Hein? Quoi? Comment pas? Comment la porte? Quoi? Ah oui d'accord, tu poses la question à Pongiste. Okay. Vu qu'ils prennent pas... Qu'ils prennent pas les pièces, c'est ça, c'est la question. Allez.
Ah non. Non, pas ça. Putain. Ah, mais non, mais... Allez, quoi, ce serait... Il serait bien... Il serait le bon ton d'y arriver, là. Mais arrête de faire de la merde! Là, c'est la fatigue, là. C'est la fatigue. Ça commence à être compliqué. Mais je suis mort là, j'ai pas le truc. C'est un truc de rapidité là, on est d'accord, faut aller vite. Merde, putain. Ok, c'est bon. Ça va le faire. Merde. Hop. Putain, j'avais réussi à me rattraper, c'est dommage. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Merde. Allez. Et cette fois, c'est la bonne. Moi, je dis cette fois, c'est la bonne. Ou pas. Mais heureusement qu'elle me poursuit pas Badeline là, parce que putain. Je te raconte pas l'enfer sinon. Je te raconte pas l'enfer si elle me poursuivait. Yes! Bim! Le bim plein d'énergie. Ouais. Ah, je suis assez content. Enfin, c'est terminé. Je suis mort que 84 fois. Regarde ça. J'aurais presque envie de commencer la 3. C'est terrible. C'est terrible parce qu'à chaque fois que t'arrives à faire un truc, t'as envie de faire le suivant. T'as envie de continuer. T'as envie de donner plus. C'est terrible. C'est terrible. Tu veux revoir Oshiro. Oh putain. Ah attends, mais attends, le 3 ça va être avec les petits machins là qui poussent et tout. C'est la... c'est le manoir ça, c'est l'hôtel, ouais. Oh putain. Oh là là. Ça va être terrible. Ah c'est marrant, vous avez vu la face C? Je suis mort
Je suis mort moins. Sur la 2, je suis mort moins de fois que sur la première, comme pour l'autre là. C'est marrant. C'est marrant. Juste pour se rendre compte. Attends, allez, juste pour se rendre compte de voir, j'imagine. Allez, pour le. Ok, je me suis rendu compte. Ça va être un enfer, ça. Ça va être un enfer à passer ce genre de truc. Ça va être un putain d'enfer. Oh la vache, mais comment tu... Oh la... T'es obligé d'enchaîner... Non mais... T'es obligé d'enchaîner ça en mode vénère, c'est pas possible. Faut avoir de la chance. Genre, allez, on y va, tu vois. Strat safe. Bah, chut. De toute façon, il y a toujours un truc. Ah, attends. Ouh, attends. Oh, attends. Attends. Ah si, il y a un truc que je voudrais vérifier. Attends, c'est complètement con. Enfin, peut-être pas, mais... Il y a un truc que je veux essayer de vérifier. Alors c'est pas ça, hein. Faut juste que j'arrive à le faire. Juste que j'arrive à le faire. À passer. Ah putain. Ah mais zut. Non j'y arriverai pas. Parce que je me dis il y a peut-être un passage en dessous. Ce serait drôle. Ce serait drôle qu'il y ait un passage en dessous, mais j'y crois pas. J'y crois qu'à moitié. J'y crois qu'à moitié le passage en dessous. C'est dingue, j'arrête pas de sauter que quand ils se croisent, c'est con. Ah, je pense que ça va être compliqué pour ce soir. Ça va être très compliqué. J'arrive même plus à réfléchir. C'est un enfer ce genre de tableau. C'est un enfer ce genre de tableau. Tu dis là pour le coup, tu vois, ça c'est le genre de tableau. Tu dis là quand même les mecs, c'est un peu too much quoi. C'est vraiment un peu too much. Non. J'y arriverai pas ce soir, c'est pas possible. Et je sens que ça va monter et que ça va m'énerver, donc ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien. Là, à part mourir en boucle comme un con, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Donc amis du Turfu sur YouTube, parce que nous sommes en train d'enregistrer une VOD, effectivement. Elle est plus courte que d'habitude, celle-là. Une heure, même pas. 54 minutes, incroyable. Mais bon, hein, en même temps, il est tard. Hein, 1h20, donc... Bref, amis du Turfu sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu. On aura donc fait les deux premières faces C de Céleste. Il nous reste donc 6 à faire. On a vu que la troisième, là, ça va être un peu compliqué. Hein. Et là, ce soir, j'ai pas la force de la faire. Donc,
Donc on va se retrouver pour une prochaine fois sur la face C numéro 3. Et on arrivera à la passer. On y arrivera. Ce sera compliqué, mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Hein. On a réussi à finir en chapitre 9. Donc voilà. Si vous avez apprécié cette VOD, abonnement, like, partage, commentaire évidemment. Et scrollage dans la description pour lâcher le petit follow sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux. Ils sont tous là. Voilà. Donc n'hésitez pas. À très bientôt. Les bisous. Ciao.